Et bonjour, bonsoir à tous, c'est Overlord d'affaires qui vous parle. On se retrouve pour un nouvel épisode de ce fameux playthrough que je n'arrive pas à finir sur Homefront de Revolution. Alors, dans le dernier épisode, si mes souvenirs sont bons... Non, on se protège de la pluie, on est civilisé, voilà. Voilà, dans le dernier épisode, si mes souvenirs sont bons, je devais organiser l'évasion de plein de prisonniers. Résultat des courses, j'ai fini avec deux pecnos dans un container qui s'était fait entuber par un troisième qui s'était fait shooter. Bref, on n'a pas avancé. Niveau arme. Bon, c'est bon, je recharge. Voilà. Donc maintenant, il faut récupérer un bateau pour les sauver. Bon, bah écoute. On va les... Oh là. Je vais les sauver, faut juste que je sache où je suis. Ok. Oh. Oh, des barils d'explosifs. Oh. Oh, je vais pouvoir faire une embuscade? Non! Si. Si je peux? Il faut... Comment ça marche? Mais non, 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 je voulais pas tomber. Non, merde. Merde. Merde, j'avais pas prévu ça, Billy. Merde. Alors ça, c'était un beau fail. D'emblée, je commence. Attends, attends. Reviens. Reviens. Voilà. On recommence. On a rien vu. On m'a pas vu me casser la gueule. Vous avez rien vu. Alors... Je disais donc, oui, c'est là qu'il faut appuyer. Ah mais oui, mais timing est mort maintenant. Ben voilà. Ben bravo Billy. Ah mais ils ont disparu. Bon, d'accord. J'arrête de papillonner. J'arrête de papillonner, on va essayer d'avancer. Je commence à prendre pas mal de retard dans ces vidéos. Et même si, bon, il n'est pas non plus dégueulasse en fond de Revolution, j'aimerais bien attaquer d'autres projets. Notamment pour ceux qui nous suivent sur Twitch, le fameux petit jeu This is the Police, qui est vraiment, vraiment génial. Hein. Il y a un univers, il sera pas forcément génial à traiter en... Wow, 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 wow. Merde, j'ai été repéré, mais il est où le sniper? Ah, c'est ça qui me manquait, une medikit. Ah bah t'étais là. Bah ben voilà. On s'est retrouvé. Y aurait pas une cage de la résistance par là, à tout hasard? Non. Votre sauveur, c'est pas Raptor Jésus ici? Non. 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 Il va falloir refaire... Oh, 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 oh. Une cage de la résistance, si je vais... Par là. Ah mais c'est ça la cache. Ben voilà. Suffisait de chercher. Hop. Oui, du matériel. Hop là. Tu recharges. Bien. Tu te soignes. Ok. Maintenant qu'on a fini de papillonner et qu'on reprend les touches, on reprend le jeu en main. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Descend d'un étage et on va chercher ce fichu bateau. 200 mètres. Okay. En tout cas, le rendu graphique est très très beau, tellement beau que j'ai pas vu le véhicule. Ok. Ça par contre c'est très chiant parce que du coup je vois rien en face de moi. Cela dit, c'est réaliste pour le coup. C'est vrai que quand t'as le soleil dans la gueule, tu vois que dalle. Alors que dans les jeux avant, dans les anciennes générations de jeux vidéo, il te baissait la luminosité pour que tu vois devant toi. Ce qui n'était pas réaliste. Hop là. Il n'y a personne? Ah si, il y a un camion. Parce que je pourrais pas esquiver le camion. Non, parce que je vais vous étonner, je vais pas forcément chercher la baston là. D'accord, j'ai une mitrailleuse lourde, un lance-roquette, mais non. J'aime bien la paix. C'est bien la paix. Non, non c'est pas bien. Si. Bon, voilà. Merde. Ils m'ont pas vu. Et oui. Pourquoi je retourne dans la zone? Waouh, quel open world, je peux pas passer par la mer. Oh, fais chier. Aïe aïe. Ça c'est débile. C'est débile. Je dois forcément passer par là, d'accord. Eh bien on va passer par là. Wow wow wow. Qui m'a tiré dessus? Ah merde. Boum. Ok. Du coup, deuxième véhicule. Voilà.
Maintenant, alors, où est-ce qu'il y a des ennemis? Oh, je ne les vois pas, c'est normal. Normalement, il est en face de moi, je le vois pas. Il est où? Ah, aïe. Aïe. Wow. Police. Non. Oh là là. Oh le coup. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Viens par ici. Je t'ai vu. Ah. Billy. Ah. Billy. Non. Ah. Oh. Trouvé. Allez. Je t'ai vu aussi. Voilà. Headshot. Voilà. Toujours la même chose, à force de mettre des balles dans la tête, au bout d'un moment, il crève. Oh, mais il y a carrément un point de la résistance ici. La présence de civils est strictement interdite. Ah, évidemment, pour que ça marche, il me faut une moto. Il faut une moto, il faut une moto. Oh, une bécane. Très bien, super. Voilà. Parfait, ça c'est cool. Hop. Petite bécane. Hop. Poussez-vous. Excusez-moi. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Vous voulez me faire piloter une moto, quoi. Bordel, allez. Accélère, cocotte. Allez, 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 allez. Voilà. Je sais pas ce que je viens d'activer, mais je l'ai activé. Ah merde. Je viens de faire la mission, j'avais même pas calculé. Moi je m'étais contenté d'avancer. Bon, c'est pas grave. Alors le train marche. Ok. Alors du coup, je peux utiliser ça. Parfait, ça va activer quoi? Ah d'accord. Ça va m'amener la... Ok. Et c'est sur ce rafio qu'on va se barrer, vous êtes sérieux? Ouais. Bon, ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher les détenus et les escorter jusque là. Je sens qu'on va se marrer. Sécuriser le bateau pour les prisonniers. Attends, déjà je vais libérer le point. C'est quoi ça? C'est une... C'est quoi cette zone? Je la reconnais pas. Atelier des bateaux. Je peux donc la libérer cette zone, non? Comment ça se passe? Comment on libère la zone? Tiens, si je choisis ça en objectif, c'est par où? Comment est-ce qu'on libère cette zone? Là, j'ai activé ça, très bien. Non, tu peux pas libérer la zone? Allez, Billy! Il m'a pas vu. Ah, voilà. Tu m'as pas vu, Billy, donc t'es mort. Ah non, me dit... On est coincé par des snipers. On a besoin d'aide. Oui, bah, vous débrouillez les gars, hein. Faut pas déconner. Faut pas déconner, faut pas déconner. Et je peux pas libérer cette zone. Mais comment? Pourquoi? Ah. Boom. D'accord, toi les headshots tu meurs pas. D'accord. Je connaissais pas le concept. Bon. Wow 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 wow. Tu te calmes. Oui, joli glitch. Oh là là le glitch. Magnifique. Ça avait aucun sens, mais c'était magnifique. Bon, écoutez, je libérerai ce point plus tard, ça va être chiant, mais j'ai pas le choix. Sinon on va pas avancer dans cet épisode. Hop, voilà, 40 minutes. Alors, sécuriser le bateau. Ah bah c'est même pas le bateau en fait ce rafio. D'accord. C'est passé, ah ça c'est le bateau. Oui effectivement ça ressemble déjà plus à un rafio. Ah c'était comme ça qu'on sécurisait l'atelier. Ah bah oui, pff, débile. Comment perdre 3 minutes? Bon c'est pas grave. Du coup, la zone est libérée.
Génial, ça c'est cool. J'y crois pas. Vous nous avez trouvé un bateau. Vous êtes passé au travers d'un paquet de Norco sans la moindre égratignure. Ouais, merci. Vous êtes un putain de dur à cuire, faut bien l'avouer. Ouais, impressionnant, Brady. Je pensais pas que les chiffres molles de la résistance. Ils ont récupéré le mec qui les avait trahis en plus. Tu sais, Floyd. T'es resté trop longtemps au contact de la PC. T'as oublié comment on devait traiter ceux qui nous aident. J'adorerais m'asseoir et passer la journée à discuter de morale avec vous, mais faut qu'on y aille. La PC va bien revenir un jour. J'ai envie d'être loin d'ici quand ils viendront nous chercher. Ouais, c'est bon. Allez, on va y aller. Ouais. Voilà la carte magnétique que je vous ai promis. Vous l'avez plus que mérité. Sans déconner. J'espère que votre petite révolution marchera. Bon boulot, Ethan. Cette carte magnétique te donnera accès à la zone interdite. Dirige-toi vers la porte. Une fois à l'intérieur, cherche un dénommé Philip Small. C'est une vieille connaissance. Il y a plus fiable que lui, mais il peut nous aider à recruter une équipe. J'ai les flingues, j'essaie juste de te les faire parvenir. C'est compliqué d'avancer pour le moment, mais je te rejoindrai. À bientôt. Ok. Bon, faut rejoindre la résistance et foutre le bordel. Ça tombe bien, foutre le bordel. Je suis votre homme. C'est par où? Ok, 400 mètres, on est de nuit. C'est moi ou c'est le zeppelin, ça? Oh, il y a le zeppelin. Oh, fais chier. On va avancer tout en finesse, en délicatesse. Ça veut donc dire, Over, que tu sors le pistolet silencieux. Voilà. Et il s'agit d'être discret, pas comme la dernière fois où tu t'es fait repérer, t'as dû vider tes lance-roquettes. Brady, voilà la zone. Oh là, oh là, oh là. Descendez-moi ces saletés gonflées de snipers, mais faites gaffe à votre cul. Quoi, qu'est-ce que tu me fais chier avec des snipers? Oh là. Cours, Forest. Discrétion, c'est couvert. Voilà. C'est bon. Rien à droite. Et un à gauche. C'est bon. Il y a même une cage de la résistance ici. Ok. Parfait. Zone interdite que Pouille. Ils les ont eu. Ces enculés de Norco les ont eu. Oui, bah, désolé, mais. Je suis occupé, Billy. Oh là là. Très bien. Oh là. Il m'a pas vu. Cours, Forest. T'as la tuture. Hop, tu longes. Non, il t'a pas vu. Tu cours. Tu vises l'ombre. Bien. Ok. Ouais. La résistance avait un centre de diffusion radio dans un bâtiment proche de ta position. Le remettre en route nous aiderait beaucoup à gagner le soutien du peuple de Philadelphie. Il faut que notre message lui parvienne. Oula. Merde. C'est un soldat lourd qui est ici, évidemment. Je peux pas avancer tout en délicatesse ici ou comment ça se passe? Moi je veux bien la libérer la station radio, mais si je réveille le soldat lourd, on va être mal là après. Oh, s'il vous plaît, barrez-vous. Qu'est-ce que vous faites là, bordel? Wow. Oh. Non, tu dégages toi. Ok. Ouais. Faut que j'arrive à passer là. Ah. Non, il me voit pas, t'inquiète. Il m'a pas vu, Billy, t'inquiète pas. Toutes les zones rouges sont strictement réglementées et interdites aux civils. Il y a un orco là-bas. Okay. Merde. Cette fois, il m'a repéré. Alors. Bonjour. Au revoir. Ah, maintenant que j'ai fait de la merde. Faut y aller jusqu'au bout. Du coup. Parfait.
Ok. Oui. Bon, je suis définitivement pas fait pour être dans la délicatesse. Oui. C'est bon. Le centre de diffusion ouvert à l'arrache. Bon, au moins c'est fait. J'ai cette zone de fête pas loin de l'objectif de mission. Moi je dis oui. Voilà. Excellent travail, Brady. Le vieux système de radio sera bientôt opérationnel. On pourra diffuser nos messages aux gens pour qu'ils sachent qu'on ne les abandonne pas. Medikit. Pour qu'ils sachent qu'on se bat pour leur liberté. Ouais, c'est ça. C'est surtout Medikit. Serein composite. 50% plus vite. Oui. Ingrédient. J'ai un ingrédient. Ah oui. Oh oui. Medikit. Medikit. Je sais pas combien je peux en acheter, mais j'en achète là. Je vais un peu en avoir besoin. Y'a pas une option acheter le maximum? Non? Bon, évidemment. Autre détail qu'ils ont oublié. C'est pas grave. Voilà, 7 medikit. Je me sens moins nul là-dedans. Wow. Se faire réveiller comme ça par un orco, ça le fait pas, moi je vous le dis. Voilà. Si on joue à ça. 2-1, suivant. 2-2, suivant. 2-3, suivant. Qui n'en veut? Qui n'en veut? Qui veut une bastos 100% américaine? Oh. C'est bon? Bah y'en a qui en veulent encore, on dirait. Mais c'est qu'ils en veulent encore. Mais oui. Bah oui. Toi tu crèves. Ensuite. Oh. Bah voilà. Bah voilà. T'es où toi? Aïe. Ah oui, déjà ça soigne plus vite. Voilà. Qui d'autre? Merde, un dirigeable approche, il faut vous barrer. Oh merde. Bon. Non, pas le camion. Hop, boum. Oh bordel. Oh là là. Dépêche. Une recharge, Billy, s'il te plaît, pas la grenade. D'accord, j'ai tiré la. J'ai pas compris pourquoi, j'ai tiré la roquette. Et merde, il m'a lock. Voilà, il me lock plus. Ok. Je suis légèrement dans la merde. Je peux pas passer par là plutôt? Y'a pas un... Ah. On va essayer de temporiser. Tu dois recharger. Toi recharge tant qu'il y a personne. Voilà. Ok, on a libéré les espèces de prisonniers à la con, mais on n'a pas avancé. J'aimerais bien avancer sur la quête avant de finir l'épisode quand même. Parce qu'on est déjà à 20 minutes. Wow. D'où? D'accord, bon. Pas comme ça. Heureusement que j'avais sécurisé le point avant, parce que sinon, j'étais pas rendu. Ok. Ah, tout de suite après le chargement. Ah bah non, ça a été rapide. J'ai perdu des objets de valeur. Oh là. Ah, on disait donc, je suis à 120 mètres. Ça aurait pu être pire. Hop. Hop, voilà. Ils vont me saouler avec leur... Ah, j'aurais peut-être dû faire plein de roquettes. Bon, tant pis.
Bah vite Billy, dépêche-toi, 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 dépêche-toi Billy, dépêche-toi. 30 mètres, 30 mètres, oui, mais en passant par où? Non, 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 non. Fais pas le coup, pas deux fois. Je suis à 6 mètres de la zone. Ok, c'est cool, mais... Oh bordel. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ah, je vais finir au moins sur, en avançant un peu sur la... Voilà. Bah du coup, je peux rentrer. Et 3 000 $. Ok, nouvelle mission. Super, ma carte a marché. Ça me surprend un peu, mais... Avance dans le tunnel, Brady. Tu devrais finir dans la zone interdite. Une fois sur place, reste sur tes gardes. La zone interdite est un gros complexe pénitentiaire. Les Norco l'ont mise en place pour enfermer tous les gens qui se sont rebellés contre eux. Il y a pas mal de monde là-dedans, et pas que des résistants. C'est là qu'ils balancent tous les criminels aussi. C'est vraiment dangereux, Ethan. Danger. Tu me parles, Billy. Donc là, on arrive à cette zone interdite où t'as tous les prisonniers. Le but du jeu, toujours, je le rappelle, ça va être de libérer ces prisonniers, de les armer et de les lâcher au centre-ville de Philadelphie pour qu'ils foutent le bordel au beau milieu des Norco. Le but du jeu étant de choper de le maire et de se le farcir. Oula. Bloc 8 résidentiel, d'accord. Donc dans une nouvelle zone, c'est ça? Très bien, avec l'émetteur de la zone interdite, et je suppose, voilà, je suppose que le prochain objectif sera à terme de choper le Comico. Alors, entrer dans la zone interdite. C'est ce que je viens de faire. Toute violence à l'encontre d'autres prisonniers aura pour effet une mise en iso-détention proportionnelle. On dirait qu'ils s'en sont pas tous sortis. Autant que tu prennes son uniforme de prisonnier, parce que ça m'étonnerait qu'il en ait encore besoin. Tu vas devoir te fondre avec le reste des détenus si on veut que ça marche. De l'infiltration, salane. Surtout à quel point je suis un boulet pour faire de... Oula, oula, oula. D'accord. Un prisonnier avec une mitrailleuse lourde. Tout est logique. Tout est calculé. Ah. Ok. Alors on va découvrir vite fait, hein, quand même. On va prendre ces quartiers? Nous y voilà. Faut pas traîner. Rends-toi directement à la planque. C'est le dernier emplacement connu de mes associés. Et fais gaffe à ton cul, Ethan. Oui, j'y travaille, j'y travaille. Vous n'êtes plus dans la zone rouge, Brady. Et les Norco ont renforcé la sécurité ici. Ne vous faites pas repérer. T'es à fond, si vous parvenez à gagner le soutien des prisonniers, vous aurez une chance. Alors faites ce qu'il faut pour envenimer la situation. Oui, bah j'y travaille, Billy, j'y travaille. Alors. C'est tout ce que tu sais faire? Je vais te démonter. Comment? Zone interdite. Il est interdit de personnaliser les uniformes de prisonniers. Tout comportement lié à la culture des gangs entraînera des sanctions. Oh. This is the police? Merde, 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 merde. J'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde. Hop! Tu dégages. J'ai voulu aller vite, j'aurais pas dû. Au moins je sais où je vais. Hop! Vous devez gérer la PC? Mais elle est où la PC? Elle me voit pas? Elle me voit. Voilà, c'est bon. Y'a plus qu'à attendre. Fiu! J'ai eu chaud. Wow! Wow, wow! 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 Oh, c'était quoi cette explosion là? Oh! Oh, Polo! Oh, tout doux, tout doux! On se calme. Genre j'ai un truc qui m'a pété à la gueule, c'est quoi ce délire? Okay. T'en as deux qui sont barrés, il y en a un évidemment il va venir me faire chier. Ouais coucou, vas-y barre-toi. Ouais c'est ça, bonjour, au revoir. Oui c'est con hein, j'ai disparu. En fait je suis devant ta gueule, je suis en train de te regarder mais sinon... Ça ressemble à rien leur truc. Barre-toi, 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 barre-toi. Oui. Tu te soignes. Voilà. Et on atteint la planque. Ben, Radu, je n'hésiterai pas à tuer Tank cette fois. La planque est quelque part dans la bourse. La PC a parqué tout le monde à l'intérieur et les détenus font leur propre police. Small a monté son opération ici puisque les Norco y mettent pas les pieds. Oui, c'est logique. Ah, c'est bon. C'est clair.
Je suppose qu'il va être en hauteur le centre, non? Oui, non, non, oui. Oh, des radios. Des radios, des radios. Attiser la révolte, j'aime ça. Ouais, non, oui, non, non, oui. Elle est où la résistance? Les gars, est-ce que vous avez vu la résistance? Des gros boulets avec des drapeaux américains qui essaient de se farcir les Norcos, mais ils se font buter à la fin. Vous auriez pas vu ça qui traînait des fois. La planque va pas te sauter aux yeux comme ça, ce serait trop simple. Oui, bah, merci. Cherche des symboles ou des points d'accès cachés. Et re, chers amis, ça y est. Bon alors, au montage, il va y avoir pas mal de coupures, je pense. Mais ça y est, j'ai enfin trouvé cette saloperie de planque. On va donc finir sur la découverte de la planque de Small. Allez, toc toc toc. Toc. Ok, faut descendre par là. Comment je suis tellement pas en confiance. Alors, je cherche Billy. Vous savez où il est, Billy? Ah, ça y est, ça c'est... Oh oui, ça, ça ressemble à une planque. Recule, dans les... putain. Oh. Ok, assieds-toi sur cette chaise. Si tu veux. Assieds-toi. Ok, ok, ok. Je m'assois, je m'assois. T'es qui, toi, putain? Un agent Norco? Putain de merde. Je vais te faire sauter la cervelle. Et oh, je suis de la résistance, mec. Je suis avec toi, je suis avec toi. Vas-y, réponds. Je suis avec toi. Réponds. Je suppose que tu ça... pas les faire attendre. Brady? Brady, t'as établi le contact? Oui, oh, j'ai établi le contact, oui. C'est bien toi? Putain, je te croyais morte. Small, petit con. T'aimerais bien me voir morte, hein? T'as oublié ce que je t'ai dit la dernière fois? Non, non, ça roule. Eh ben j'espère. Bon, écoute-moi, t'es avec Ethan Brady. Il est avec moi et je te conseille de bien le traiter. Oui, Evie. On sonne à la mairie et on va foutre le bordel à la télé. Oh oui. On lui a préparé son discours d'adieu. Ah bon? Oh putain, ouais, on va manger Walker. Bon plan. Il va nous falloir des putains de durs à cuire pour prendre la mairie. Tu connais du monde? Oh bien sûr. J'en connais une bonne dizaine qui seraient prêts à traverser les murs pour corriger les Norcos. Bon, alors rassemble une équipe, on fournit les flingues. Autre chose, il nous faudrait un moyen d'entrer dans la mairie sans qu'on se fasse voir. Impossible oui. D'employer oui, ça peut être utile. La ouais. De la furtivité. Écoute, recruter une équipe, ça me connaît. Je pourrais faire ça les yeux fermés. Mais vous comptez vraiment entrer dans la mairie sans vous faire voir? Bah, c'est l'idée, non, oui, non, effectivement. Non. Attends, j'ai une idée. Oula, 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 il a une idée. Explorer les vieux tunnels de service. C'est quoi ce putain de nom, Mickey les godasses? Tout le monde a des godasses. Eh oh, c'est un type bien, ok? D'accord. Bon, comme je te le disais, il adore traîner dans les tunnels, comme l'araignée ou un truc de ce genre. Eh, il sait peut-être comment entrer dans la mairie. Ok, d'accord, okay, okay, je vais pas tarder. T'as intérêt à être prêt. Eh, attends! Je pensais vraiment qu'elle était morte. Je ferais comme ça, d'ailleurs. Bon, écoute. C'est bon, je peux bouger? Les trucs dont on a besoin sont enfermés dans des iso-coffres. D'accord. Récupère la liste des détenus pour les localiser. Je t'envoie l'emplacement sur ton téléphone. Ah, oh, génial. Maintenant, on fait dans le babysitting. De mieux en mieux. Il est notre seule chance de pénétrer dans la mairie. Bien. Horizon élargi. Eh bien, écoutez, les amis, on va arrêter l'épisode là. Oh, juste quand tu es tranquille, donne amour, putain. Je sens qu'on va se marrer dans le prochain épisode. Sur le gaz. Je sais pas ce qu'il a fumé, mais il est génial. Il faut lui trouver un nom. Alors, chers amis, je vous laisse trouver un nom pour notre nouvel ami. Il a l'air complètement timbré, mais il a l'air génial. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de partager la vidéo si vous avez aimé, de la commenter, de la liker. On a également un Twitter, un Twitch et une page Facebook. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Overlord de Fer. Je rends l'antenne. À très vite. Ils sont pas encore entretués.